pensais que t'aimais bien. Non, j'aime pas. Ah, t'aimes pas du tout? Non. Et aujourd'hui, il se prête encore une fois au jeu pour choisir ma tenue pour notre date de ce soir. Avec grand plaisir. Bien bonjour les petites biches. Bien bonjour Enzo. Bonjour à tous. T'as été surpris. Ouais. J'ai changé mon intro. Ouais. Je sais que vous aimez les hauls en compagnie de notre cher Enzo Voort. Et aujourd'hui, il se prête encore une fois au jeu pour choisir ma tenue pour notre date de ce soir. Avec grand plaisir. Parce que nous allons au... restaurant. Du coup, toute cette vidéo haul est sponsorisée par Boohoo. Donc tous les vêtements que vous allez voir aujourd'hui viennent du site Boohoo. Et si vous voulez craquer pour un truc que je vais vous montrer aujourd'hui ou pour autre chose sur le site, j'ai un code promo pour vous, c'est trop cool. 20% avec le code LUFFY jusqu'au 9 juin. LUFFY avec un Y. Ça sera noté à l'écran. Ah, c'est du montage professionnel. Hein, bah oui, bien sûr. Et donc, si vous voulez un peu suivre ce qu'ils mettent en ligne, bah, suivez-les sur leur compte Instagram, boo.fr, comme ça vous voyez tout. Je vais me changer. Ça d'ailleurs, c'est un article que je vais te montrer après en une autre couleur. Mm-hmm. Petit chemisier inspiration. Oui, on ne dira pas on la marque. S'il te plaît, garde la tenue la plus osée pour la fin. Oh, il y en a plusieurs. Mais en tout cas, à la fin, il nous dira quelle tenue il choisit pour notre date. Allez, c'est parti. Première tenue, ça dépend du resto après. Hein. Donc on est sur une... Attends. Quoi? Ça c'est un resto de plage, hein, je veux dire. Non, si on va en terrasse et qu'il fait bon. Ah ouais. Donc petite tenue, mais en fait le blazer habille beaucoup. Ouais, avec bah un oui. Short. Bon là aujourd'hui il fait pas très très bon, mais si c'est une soirée d'été, ça pourrait passer. Je te conseillerais plutôt, ma belle, de mettre un pantalon blanc. Eh ben j'ai d'autres propositions. Si tu fais... Enzo, le but est de faire un haut et de présenter des tenues, hein. Oui, mais bien sûr, mais si par exemple tu n'es pas à l'aise avec ton look, tu peux venir me voir, avec plaisir je te refais tout ça. Je suis tout à fait à l'aise avec mon look. En tout cas j'aime bien la couleur et j'aime bien l'ensemble short blazer. C'est très beau. Et j'aime beaucoup. Et c'est hyper léger, touche la matière, vraiment quand il fait chaud t'as pas... Ah ouais. Tu vois c'est tout fin. On n'est pas vraiment en été, tu vois, donc du coup est-ce que c'est de circonstance? Ça peut se prêter à un petit restaurant ou aller boire un verre en après-midi quand il fait bon. Ok, vas-y, je suis prêt. Je tiens à dire que je mettrais une petite veste, hein, mais là, vu que j'en ai pas. Donc petit pantalon rose, hyper confortable. J'avais pas encore de pantalon rose dans cette matière, avec une grosse ceinture intégrée, ça c'est super. Et puis petit haut en voile. Ouais. Et avec ça, au-dessus, je mettrais une veste. J'avais vu la veste de la même couleur sur le site, mais elle était plus dispo. Tu peux dire si t'aimes bien. J'aime bien, des indications. Mais pas ouf. Okay. Notamment à cause du haut. Tu préfères un autre haut? Ouais. D'accord. Bon allez, troisième tenue. Alors, petite black dress, mais agrémentée, un peu revisitée. Ça va, Madonna? Bah, pourquoi? J'aime bien avec le petit col comme ça. Les petites manches qui sont élastiques. Moi, j'aime pas les tulles de base, donc du coup, pour moi, ça ne me va pas en tout cas. Mais écoute, moi, je ne donne pas trop d'informations sur cette robe. Tenue estivale, pour un petit resto à la plage, si t'habites à Cannes ou... À Knock. J'adore le short couleur rouille. Et j'aime bien rouille et noir. Ouais, t'aimes bien? Ça va très bien. Alors, si tu remarques les détails... Le chapeau, coquillage, la sortie, un petit collier. Franchement, coquillage. Terrible. Si on vit genre à Marseille, enfin sur la côte, qui fait bon et qui fait 25 degrés, ça vaut pour une date. Je propose différents choix à mon audience. Oui, monsieur. Bien sûr, en fonction de leur géolocalisation. Tout à fait. Et les chaussures, elles sont trop belles. Voilà, petit talon avec une petite bride transparente. T'aimes bien? Mm-hmm. Il n'ose pas dire qu'il aime bien. Je rêve. Bon, tenue suivante. Alors, petite tunique. Très simple, mais qui fait son effet parce qu'elle est quand même habillée, c'est pas une tunique hyper légère, style chemise en ouais, fluide. On voit que c'est quand même un tissu épais, et donc ça le fait pour un petit resto, tu vois. Et toutes les coutures sont en brun foncé, ce qui habille un peu la tenue. Ouais, ça c'est la salopette du garagiste. Mais c'est pas une salopette, c'est une robe chemise B. Et tu vois, pendant que t'étais là-bas en train de te changer, j'ai pris ton chapeau. Oui. Et en fait, j'ai été surpris par la lourdeur du chapeau. Les mailles sont bien serrées et tout. À fond, et sur tout le contour, il y a, tu vois, un petit fil de fer. Ah ouais. Donc tu peux le modeler comme tu veux. Hey. Ouais, trop bien. Ah oh, bah il irait même bien avec cette tenue en fait, regarde. Et regarde, ça veut dire si tu veux genre lever un côté, je pourrais tu ferais ça. Si tu veux lever les deux côtés, ouais. Allez. Alors, okay, je tiens bien les tenues, hein. Je prends des petites notes pour justement ne pas oublier ce que tu as mis. Prise de risque, mon ami, prise de risque, mais j'adore. J'allais te dire quand t'es arrivé, est-ce que c'est une tenue risquée? Oui, j'adore. Ça fait un peu chinois, tu vois, à l'encre de Chine. Ah, ok, ouais. Un peu porcelaine. Ouais, exactement. Combi, épaule, bardo. C'est très beau. Tu mets une pièce et t'es directement, t'as directement un look, ouais, tu vois. C'est très beau, ouais. C'est chic, hein, bleu et blanc comme ça, j'adore. J'aime bien. Ça mettait fort en valeur. Merci. Et moi j'aime bien le décolleté comme ça en cœur et les petites manches col bardo. C'est hyper chic. Bah tu vois, il est pas coupé droit, il est coupé en cœur. Parce que ça pourrait aller avec cette tenue. Non, mais non, ça va pas, ça va jurer. Ça va le faire. C'est pas dégueu. Non, s'il était blanc, oui, à la limite. On dirait un épouvantail. C'est vrai. À fond.
Là, j'ai joué la carte de la sécurité. Là, c'est classique, ça. Et de la sobriété. Ouais. Petite robe à une épaule, mais qui fait toujours son effet. Hein. J'adore. Ça te va très bien, mais c'est un classique. Bah oui, j'ai voulu jouer la pièce sécurité. Ouais. Là, le one shoulder, ça fait un peu différent. Et ça fait hyper, je trouve, sexy et chic. Mais en même temps, c'est classique et en même temps pas, parce que je trouve que, comme one shoulder, tu vois, Ellen shoulder, je mettrais un petit collier, un petit rat de cou. Alors moi, j'hésite tout le temps avec les one shoulder à mettre un collier, ouais. Parce que le collier crée une symétrie sur une tenue où il n'y en a pas. À vous de prendre le parti que vous voulez. Tiens. Vas-y, on peut essayer. Si on doit mettre un truc, il doit vraiment être vraiment rat de cou, quoi. S'il te manque un truc, tu peux compter sur moi. C'est horrible. Non, mais attends, oui, comme ça. Mais sinon... Tu préfères quoi, avec ou sans? Oh, avec, ça tue. Mettez un commentaire si vous préférez avec collier ou sans. Yo, still wanna get in the windy windy monsoon. I wanna hear what it is. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu la parfaite interprétation, c'était les 2B3. 2B3, I'm not 2B. On s'est juré, juré. Emmène-moi. I know you wanna give it up. J'adore. C'est très frais. Faut aimer. Ouais, avec les petites bottes blanches qui ne vont pas forcément avec tout, mais avec une tenue comme ça estivale et blanche, j'adore. Donc voilà, avec un talon bloc, donc assez confo. Enfin, très confo même. Et bien sûr, le lilas, les petites biches, toujours au rendez-vous en ce printemps 2019. Ouais, mais moi, c'est une couleur que j'arrive pas, je n'accepte pas cette couleur, j'arrive pas à l'accepter. Mais t'as même bien une tenue lilas dans notre vidéo il y a 3 semaines. C'est vrai, moi, le lilas, j'adore. Lui, il est comme ça. En fait, j'ai du mal à trouver ma personnalité, en réalité. Ouais, c'est ça. Si je dois choisir quelque chose, un élément dans cette tenue... Que t'aimes bien ou que t'aimes pas? Que j'aime bien. Oui. Je choisirais les bottes. Ouais. Quoi? Mais je suis choquée. Quoi? Tu m'as toujours dit que je déteste les bottes blanches. Ouais, bah c'est dire à quel point j'estime la tenue. C'est pas mon... Là, je peux le dire clairement parce qu'on a quand même fait... Mais de quoi tu parles? On a... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que t'aimais bien. Non, j'aime pas. Ah, t'aimes pas du tout? Non. Bon, mais peut-être qu'en ajoutant un collier... À la fin, je te dirai ce que je pense que t'as aimé, lesquels t'as préféré. Ouais. Tu me diras, allez, un top 3 ou un top 5. C'est ce qui est prévu. Et après... Alors, si tu es perspicace, tu devrais savoir ce que je vais te montrer maintenant. J'ai dit au début de vidéo. Bah oui, je sais. Dis-nous si vous savez en commentaire. Tenue un peu plus classique. Voilà, total white, un peu plus classique. Ça, qui rend la tenue un peu plus élégante. Très élégante. T'as pas envie d'essayer avec l'autre? Non, je préfère le blanc. Ouais, ouais, ça va mieux. C'est plus de saison aussi. Enfin, le noir, ça pourrait aussi aller en soirée en fait. Le blanc, même pour la journée. Et du coup? Non, stop avec ces chapeaux, hein. Tout le monde veut te voir. C'est hyper confo, hyper léger, j'adore. Avec des petits élastiques aux manches, donc vous pouvez porter soit manches longues, un peu bouffantes, soit comme moi, retroussées. Non, c'est mieux retroussées. It's time for us to know le classement. Je pense que tu as aimé la tenue avec le chapeau, donc le short rouille. Attends. Parce que du coup, ça... Ça chamboule. Ça chamboule le classement. C'est qu'il aime bien la rouille, la tenue combi bleue. Je pense que t'aimes bien aussi la robe one shoulder. La robe salopette que tu dis, donc la tunique blanche, je pense que t'aimes bien, mais tu l'as pas mis dans ton classement. Et bien celle-ci. Je pense que t'hésites entre 4 tenues. Dis-moi si j'ai raison. C'est exactement ça. Sans ordre de classement, lesquelles sont tes 5 tenues favorites? D'accord. Alors, pour le dire dans l'ordre dans lequel t'es passé. Ok. La première tenue, le tailleur jaune avec le petit short. Okay. Le chapeau coquillage et le short rouille. Mmh. Mmh. La tenue combi bleue à l'encre de Chine. Ouais. La one shoulder noire. Mmh. La robe. Et celle-ci. Et t'as fait ton choix pour ce sweat? Ouais. C'est pas une où je vais crever 3 parce que... Je pense que tu t'es dit la one shoulder c'est trop classique, enfin c'est assez basique donc je vais pas prendre ça. Je pense que tu t'es dit les shorts, bon ici il fait pas très bon aujourd'hui. Donc ça se joue entre la combi bleue et ça. Et on va faire ça pris ça. Vas-y, je te laisse dire. Quelle tenue tu choisis de ces 9 tenues? Le chapeau coquillage et la short rouille. Ah ouais? Oui. Ah mais c'est une de mes tenues préférées aussi. Ouais, mais ça te va très bien. Merci beaucoup. Mais ton raisonnement était bon jusqu'à ce que tu dises ouais, les shorts il fait trop froid et tout. J'ai pas considéré la météo. Ah d'accord, bon autant pour moi. Je trouvais plus abouti celle avec le coquillage. Le chapeau machin. Chapeau, ouais. Cool. Et tu veux connaître mon top 5? Oui. La tenue numéro 5 est la one shoulder noire. Ok, oui, parce qu'elle est pas classique. Elle est classique. La tenue numéro 4, la combi bleue encre de Chine. T'as intérêt que je suis aux enchères. Tenue numéro 3, celle-ci. Ah, t'as kiffé les shorts à fond, hein?
Ouais. La tenue numéro 2, le tailleur jaune. Bon, et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre tenue favorite et laquelle vous auriez choisi. N'oubliez pas que vous avez 20% sur tout le site Boohoo jusqu'au 9 juin avec le code LUFFY. Donc profitez-en, c'est maintenant ou jamais. Sinon, merci à Boohoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller suivre Enzo sur ses réseaux, sur son Instagram, merci. Sur sa chaîne YouTube, il reprend les vidéos. Ouais. Et puis nous, on se retrouve sur mes réseaux. Et très très vite dans une vidéo, c'est à toute bien. Ciao tout le monde.